Coucou les loups, est-ce que tu connais la lunette qui a envie de tourner une vidéo à 22h? Qui est rentrée de l'école, elle a tout vidé sa voiture parce que demain elle a sa nouvelle voiture. Et qu'après elle est rentrée à 18h et qu'elle s'est endormie et elle s'est réveillée à 20h15. 18h30, 20h15, voilà, c'était une petite sieste, j'étais crevée. J'étais crevée toute la journée, c'est le temps, moi vous savez, l'automne, l'hiver, tout ça c'est pas trop mon délire. Là, j'ai mis mon masculeux, je suis allée promener Sweety une bonne demi-heure là dehors en pleine nuit, tout va bien. J'ai mis ma casquette, j'ai mis mon pull que m'a offert ma copine Jamila. Et je me suis dit, il faut absolument, absolument que je teste, que je swatch pour vous cette palette-là. Je me suis dit, tiens, soit je fais un live, mais 22h, ça fait un peu tard pour un live, je pense. Parce que si on papote, on papote. Oh, encore que je me suis dit, on ferait pas un live où je me maquille. Mais après, je me suis dit, un live où je me maquille, j'en sais rien. De toute façon, je vais le prendre en live après, qui sait. Donc bref, en tout cas, j'ai envie de vous swatcher la Armed and Gorgeous, celle-ci, je vais carrément la garder, que m'a offert Jean-Michel. Vous savez, c'est mon abonné qui est make-up artiste. Et oui, lui, c'est un vrai. Jacqueline Hill, d'ailleurs, il faut que j'envoie un petit message après. Tiens. Et d'ailleurs, là, vu que j'avais le masque, je vais mettre mon petit truc, la Velleda, mon soin des lèvres, que m'a offert ma copine Jamila, encore une fois, décidément, hein. Cette coquine. D'ailleurs, je pense que je lui en offrirai une de palette de Jacqueline Hill parce que Jean-Michel m'en a fait envoyer 4. Donc ça vient, je pense, si je ne m'abuse, du site Morphe. Comme ceci. Donc voilà, voilou. Et donc on va swatcher. Pour moi, c'est la plus belle. C'est celle-ci. Donc là, bien sûr, je n'ai absolument aucun make-up. J'ai rien du tout là. Donc je suis barefaced. Barefaced, en plus, je viens de me réveiller. Donc, enfin, je viens. Non, il est 21h40, c'était à 20h15, faut pas abuser. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je me suis mis du crayon ou quelque chose? Bon, bref. Donc, elle se présente comme ceci. 2, 4, 5, elle a 10 fards. Regarde-moi la beauté. Attends, je pousse un petit peu. À chaque fois, j'étais à bouger. Là, j'ai mis le parapluie de lumière, donc à mon avis. J'ai vu que le live avec le parapluie de lumière, vous m'avez dit « Waouh, la lumière !» Bon, bah d'accord, alors. J'ai compris. Donc là, j'ai ma main qui n'a pas de primer. Je vais peut-être mettre un petit coup de pchit, tu sais, pour dire humidifier un peu. C'est le pchit biface fixe de... je sais plus d'ailleurs. Je crois que c'est Stoco, mais je crois qu'il y a le même à Action. Et on va commencer par le VIP, qui est un blanc. Très, très blanc éclatant. Oui, 15L. Et je pense que celui-ci, à mon avis, on doit pouvoir en faire... un highlighter. Ok, d'accord. Donc, vous vous rappelez que j'ai fait un crash test où j'essayais déjà cette palette, une de ces petites palettes. D'ailleurs, j'ai essayé laquelle, attendez, parce qu'il m'en a fait envoyer 4. Je vous fais bouger à chaque fois. Et vous allez me dire, Macaro, ça commence à bien suffire. Laquelle il m'a envoyé d'ailleurs? Elle est où? Eh, je sais pas où je l'ai rangée. Occupe-toi pendant 5 minutes pour voir. Allez là. Non, c'est parce qu'en fait la tranche elle est pas blanche. Ah d'accord, je me disais bien. Donc j'avais essayé celle-ci en live qui s'appelle Ring the Alarm. Que magnifique aussi hein. Donc celle-ci je la garde. Celle-ci que je suis en train de swatcher et dont je vais vous faire un crash test, je pense incessamment sous le pneu comme dirait Marjorie. Je range un fait comme si j'étais pas là. Donc celle-ci, je vous en ferai un crash test et je pense la garder aussi. Et par contre, les deux autres, parce qu'il y en a encore deux autres, je pense que je les offrirai. Et Jean-Michel a dit qu'il était d'accord, je lui ai quand même posé la question. Donc la deuxième, c'est Access, qui est un moutarde. Oui, parfaitement, un moutarde. Qui est, comment ça s'appelle? Matt. Matt Houston. Oh, you win. Oh, wow. Ok. D'accord. Avec mes yeux gris là, faut que j'arrête de te faire bouger parce que tu vas me détester. Avec mes yeux gris, à mon avis, ça va être pas mal du tout cette palette. Donc j'essuie à chaque fois, j'ai mon petit chiffon microfibre de chez Action qui ne sert pas du tout à ça. Mais alors pour le démaquillage justement, il est top. Et une petite crème que m'a offert, une de mes abonnés, j'arrive plus, que m'a offert une de mes abonnés, ouais. Qui m'a été offert, je sais plus. Oui, vous fatiguez, hein, par une de mes abonnées. On continue. Et c'est bien parce que du coup, je vais avoir le doigt un petit peu crémeux. Nous avons un Guilt Trip. Guilt, G-I-L-T. Bah, je ne le connais pas. Je connais Guilt, la culpabilité, mais G-U-I-L-T. Qui est un doré.
avec plein d'irisés, qui va être encore magnifique d'ailleurs. Pourquoi ? Un passage. Donc là, je vais rattraper parce qu'il y a un peu de... Ok. Pourquoi je ne me suis jamais penchée sur ces palettes, sans déconner ? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que ça sent d'ailleurs ? Un petit peu la crème. Ok, on continue avec le coin. Qui veut dire les pièces de monnaie. Oh. Ok, d'accord. À mon avis, ça va être pas trop trop mal. Oh putain. Ok, d'accord. On va faire là. Hein. Je rigole, mais... Je rigole parce qu'elles sont magnifiques, les couleurs. Ça fait un peu un duochrome, tu vois. Hop, un shift. Je sais pas ce que si tu vois. Oh là là. Magnifique. Ok, d'accord. On continue donc. Bah oui, tant qu'à faire. Je remets un petit peu de crème sur mon chiffon microfibre. Hein. Fais comme si j'étais pas là, encore une fois. Oui, parce que moi, je suis très organisée, d'accord. Quand je fais mes vidéos, j'ai tout sur les genoux. Il y en a un peu partout. Il n'y a rien de prévu. C'est fait à l'arrache. C'est comme ça, c'est comme ça. Regardez d'ailleurs si vous êtes toujours abonné, si vous avez toujours la petite cloche, parce que là, en ce moment, j'ai pas mal de messages d'abonnés qui me disent ne plus recevoir les notifs, qui disent avoir été désabonné. Moi, je le vois au niveau du nombre de mes abonnés. Il n'y a rien qui augmente. Depuis que j'ai eu le 21 000, j'ai genre gagné 62 abonnés. Ça ne fait que ça toute la journée. 63, 59, 61, 50. Bah, ça fait que ça. Ça augmente et ça n'a jamais fait ça, donc je ne sais pas ce qui se passe. Agent, qui est un ocre, genre... C'est qu'on est trop en couleur. Oh, ça, à mon avis, ça. Ça et ça sur la paupière mobile. Pff, j'ai trop envie de me maquiller demain, moi, pour la peine. Il faut que je vous le fasse en crash test aussi, plutôt. Attends. Oh, la vache. Mais sans deck. Non, je t'assure sans deck. Depuis que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec. Oh, punaise. Les collections, elles sont vraiment plus les 22h. Hein. T'as remarqué hein, déjà, elles sont pas beaucoup en temps normal. Mais alors là, c'est pire. Donc là, je ne me maquille plus, hein, vous savez, pour aller à l'école, je ne me maquille plus du tout. Parce que bah, tu te figures qu'il y a un masque à porter. Et moi, toute la journée, non, j'étouffe en fait. Et je trouve que je l'avais fait, c'était quand mardi, je crois, que les yeux. Mais alors, franchement, ça fait vraiment pas maquillage fini, quoi. Je préfère avoir tout ou rien. Oh, alors ça, le Top Secret, ça me fait penser à une couleur. Et je pense que c'est la X-Files du... Alors là, si c'est ça, franchement, tu peux me dire, Caro, t'es trop une pro du make-up, quoi. Tu arrives à reconnaître des... Bon, bref, ça va pas être ça du tout. Oh non, pas tellement, en plus. La X-Files. Ouais, non, pas tellement. Tu vois, elle est là. Elle me faisait penser, hein. La X-Files, elle est comme ça. Voilà, et la Jacqueline Hill. Peut-être que je me trompe. Oh ! Oh, il y a quelque chose. L'autre, elle est... Celle-là, la X-Files, elle est plus marronnée. Ouais, voilà. Elle me faisait penser. Donc la X-Files. Bon, bah, du coup, je vous souhaite les deux. X-Files de Jeffree Star. Il n'y a rien à dire, non mais. Et voilà. Si tu ne dois en avoir qu'une, prends celle-ci. En plus, t'as plein de teintes qui peuvent se marier avec tout. Moi, je l'ai déjà pas mal utilisé. J'arrête d'ailleurs de l'utiliser. Enfin, j'arrête. Non, j'arrête pas. J'amoindris hein, l'utilisation. Parce que sinon, je pense que mes palettes Jeffree Star, elles vont être déglinguées au bout d'un moment. Même si, bon, la palette, c'est fait pour, hein, tu me diras. Donc, la Jacqueline Hill, c'est celle-ci. C'est un beau vert. Non, l'autre, il est plus kaki, plus ton froid. Ok, je vais donc essuyer un petit peu mon bras, bien sûr. Parce qu'à un moment, stop, quoi. Oh là là, à mon avis, une bonne base. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je remise sur une base, moi. Parce que là, bah, j'en ai plus, d'ailleurs, des bases à paupières. Non, j'en ai plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme base à paupières? Je veux pas que vous me disiez Pilouise, hein, parce que c'est un peu cher quand même, hein, la Pilouise. Mais je sais pas. Alors du coup, en ce moment, je mets, comme j'ai pas mal de concealer... Ah, mais si, je dis une connerie. C'est pas un concealer, là, c'en est un de primer. Je me trompe. À chaque fois, je crois que c'est un concealer. You are... Ah bah non, bah, très bien. Moi, j'en ai un, j'ai rien dit. Je vais finir celui-là. Et puis, sinon, je prends des concealers, justement. On continue. D'ailleurs, si vous vous demandez, mon vernis à ongles, c'est un Essie. Il est blanc et quand vous regardez vraiment bien, 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 mais là, je pense que vous verrez pas. En plus, je les ai lavés toute la journée, mes ongles. Il y a deux couches. Si vous regardez bien, 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 il y a des petites, toutes petites paillettes. Mais je trouve que ça fait jamais clean le blanc parce qu'on voit vraiment les traces de pinceau et tout ça. Puis bon, à force de les laver là dans la journée, etc. On continue le Smooth Criminal qui est un marron ocre.
Ouais, bah si j'ai envie d'inventer. Puis là, j'ai ma mèche là, laisse tomber. Si j'ai envie d'inventer une couleur, t'as qu'à arrêter de m'embêter, puis ça ira bien. Donc on y va. Oh, j'ai foiré le début du swatch. Qui a jamais essayé ces palettes m'en parle, quoi, s'il vous plaît. J'ai l'impression. Je les avais au début de YouTube. Enfin, au début, je pense qu'elles ont quand même déjà quelques années. Il y a quelques années, peut-être 2-3. Oh, ouais, remarque-moi, au début de mon YouTube, c'est en 2016, donc c'est pas plus loin que ça. Donc il y a peut-être 3 ans, quand ils ont fait cette collab, ou 2 ans, je sais plus. Il n'y avait pas tout un vault là, tout un. Avec toutes les palettes, je sais plus. C'est une espèce de coffret, non? Je sais plus. Eh bien, on en avait pas mal parlé, mais c'était surtout les youtubeuses américaines et quelques anglaises. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on en ait parlé en France beaucoup. Alors, est-ce que c'est moi ou dites-moi? Parce que. On continue. Il y a là. Secure. Elles se ressemblent ces deux-là. Attends, hop. Pourquoi avoir mis ces deux-là? Ouais. Elles se ressemblent vachement. Alors, la Secure, elle est là. Et l'autre, je les ai rapprochées. Ah non, elles sont pas. Ouais, enfin, si elles se ressemblent quand même. Celle-ci, elle est plus orangée, dirons-nous, celle qu'on vient de swatcher. Ouais, la Secure. Non, mais c'est ce que je suis ébobie. Je suis ébobie par la qualité du truc. La Pro, qui a vraiment un marron marron, quoi. Marron vif. Oh, wow. Je vais refaire un passage dessus pour voir. Oh la vache. Non mais Jean-Michel, il m'avait dit, je les ai testées. Elles sont top. Ah bah ouais, effectivement, ouais. Ok. Et la dernière. Alors là, faut bien que je me nettoie. Parce que la dernière, à mon avis, elle va décoller les slips. Hein. C'est la Classified. Alors, est-ce que c'est des paillettes pressées? Non. Non, j'ai cru. Tellement c'était. Alors, est-ce que en dessous, ça va être la même chose? Parce que tu sais, des fois. Au-dessus, tu as une couche de brillant. Attends, moi je gratte un peu, hein, tant pis. Non, ça va. Non, non, ça va. Ça a l'air d'être. Ok. Alors là, attention. Mais je rigole toute seule parce que. C'est crémeux, mais pas aussi crémeux que la palette Tamie de Revolution Beauty, là. D'ailleurs, le make-up là que j'ai fait hier, il a tenu du feu de Dieu. Avec le primer UR Cosmetics. Ah, celui-là, ouais, multichrome. Tu vois, des fois, il fait un peu doré, un peu vert selon comment on le regarde. Tu vois? Enfin, je sais pas si tu vois un peu marronasse. Ouais, multichrome. Multichrome ou duochrome? On ne sait pas trop comment dire. En tout cas, pff. Non, mais sans déconner. Mais Jean-Michel, mais merci, merci de m'avoir fait tester cette marque. Ouais, je connaissais, hein. Mais je pensais pas que c'était comme ça. Bon, bah voilà. Bon, bah il est l'heure pour moi d'aller prendre ma douche. C'est très intéressant. Oui, bah oui, bah écoutez comme ça. Et puis voilà. Comment te dire? Donc, ben, ça va être ma miniature, tiens. Je cherche toujours des miniatures. J'ai hâte. Donc, ça, on crash test ce week-end. Hein, sans aucun doute. Hein. Je vais avoir ma nouvelle voiture demain soir. Et oui, juste un petit. Oh, bah, d'ailleurs, j'ai déjà fait une tâche. Oh, Caro. Oh là là. J'ai commandé ça. Il y a une collaboration entre Reebok et le film La Haine. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne nous parle pas. Vincent Cassel, peut-être. Donc voilà. Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai été faire une tâche là, moi? C'est pas du possible. Comme ta mère. Elle faisait pas ça, ta mère, quand t'avais un truc qui est sur ton visage en plus. Ah! Je sais, elles font tout ça. Donc voilà. Mais je vous le montrerai dans une facteuse. J'ai eu ça. J'ai eu aujourd'hui mon blender chauffant pour faire de la soupe. Et puis, qu'est-ce que j'ai reçu? Tchouk. Bah, c'est tout. Bon, bah, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et merci Jean-Michel et à très vite pour le crash test. Ciao, ciao!